Année 2022, l'étape difficile en pile pour au moins une fois par jour le monde qui servait avec un appareil électronique, un téléphone, une tablette, un laptop par exemple. Mais est-ce qu'on jamais dit tout qui ça derrière appareil ça? Qui ça qui fait appareil ça fonctionner? Bienvenue dans l'émission Causerie scientifique. Dans la vidéo ça nous va parler sur un sujet qui est intéressant. C'est sur le microprocesseur. Thème si j'ai nous pour aujourd'hui c'est esthétique, fonctionnement et fabrication microprocesseur. Non pas c'est Augustin Otterens, qui est étudiant en troisième année Institut universitaire de l'Ouest, département sciences informatiques. Qui ça qui est un microprocesseur? Un microprocesseur c'est un petit processeur que tout élément qui constitue le processeur vient plus petit. Vous venez regrouper sur une seule puce électronique ou bien ça capable de circuit intégré. Processeur, c'est l'élément qui est le plus important dans n'importe appareil électronique. C'est le même qui gère instruction et qui traite de demandes nos mêmes utilisateurs à passer avec appareil électronique. Là. Nous allons commencer par les deux termes que les microprocesseurs dans le début de l'année 1971. Parce que c'est dans l'année ça, la compagnie américaine Intel a commencé le processus de regrouper tous les éléments qui étaient sur plusieurs puces électroniques qui viennent mettre sur une seule. Quel avantage le processus ça a été bâillé? Premièrement, il a augmenté la vitesse de fonctionnement du processeur. Parce que les éléments ont été éloignés de l'autre et ils viennent regrouper sur un seul circuit. Donc ça te permet de traiter les données plus rapidement. Deuxièmement, il devine coûter plus petit comme. Et troisièmement, il devine augmenter la fiabilité du traitement. Et nous sommes capables de dire tout que l'ordinateur qui a gagné longtemps, qui était plus gros, qui a demandé plus de courant, plus d'énergie pour être capable de allumer, pour être capable de fonctionner ensemble avec vous. Et rester un seul côté servi ensemble avec vous, tout ça n'a pas été ambigu. Et bien, le processus ça a été non seulement permettre que nous utilisions moins de courant pour nous et nous sommes capables de jouer ordinateur portatif. En nous faisons une brève historicité sur ça qui relie les microprocesseurs. Le microprocesseur a été inventé par deux ingénieurs d'Intel, compagnie américaine qui nous a parlé de l'IPIROA. C'était Mason Off avec Federico Fajin. Mason Off est allé dans l'architecture microprocesseur qui était basé sur l'architecture de blocs et sur le jeu d'instructions. Il a commencé à travailler en 1969. Federico Fajini même était allé sur la conception du microprocesseur. Genre, il a choisi qui puce électronique qu'il apprend et la logique d'instruction qui peut passer en de plus. Le travail par là a commencé en 1971 lui-même. Eh bien, next yo, pas traité seulement dans la conception. Il y a un objectif, un but précis. C'était optimiser le temps de recherche que le microprocesseur ou bien le processeur après le prend pour être capable d'exécuter l'instruction. Donc, puisque vous avez commencé à travailler et que vous avez passé du processeur qui était sur plusieurs circuits intégrés à microprocesseur qui est sur un seul circuit, que ne pas oublier que y a un avantage li c'était temps d'instruction. Eh bien, il était venu réduire le temps et microprocesseur était venu gérer instruction de façon qui plus rapide. Est-ce un microprocesseur? Eh bien, un microprocesseur ou bien ça capable de une unité centrale de traitement puisque c'est le même qui cerveau appareil électronique qui nous menoua. Donc, on dit que les constitués ou bien les faits de plusieurs unités. Donc, unité de contrôle, unité arithmétique et logique, unité de transfert, unité d'entrée et de sortie. Mais les gens dans tout une horloge, les constitués de plusieurs registres et les gens une mémoire centrale. On va essayer, qui est l'élément qui forme le microprocesseur fait. Ou bien en fait, on va parler sur tout petit. Nous gagnons premièrement unité arithmétique et logique. C'est unité ça qui gère toute opération qui a effectué en dans microprocesseur.
nous gagnons tout unité entrée-sortie. C'est unité ça qui est responsable que ou capable de communiquer avec appareil électronique qui est dans mon là. Jean que terme dans dire rentrer sortie. Ou même qui dès appareil là après rentrer information du moins ou passer instruction yo et lorsque les mêmes les fin traiter, une composition a fin traiter information ça que ou besoin, les voyer le ba ou back. C'est sorti à ça. Nous gagnons tout registre. Registre, si nous avons un compte de registre d'État, c'est le même qui à tout moment dit qui gens ou bien dans qui état microprocesseur a que lié. Nous gagnons unité de commande. Ça, c'est chef d'orchestre microprocesseur. Jean qui t'aime nous dire, commander, c'est le même qui gère, qui commande, qui veille à ce que tout bagaille a passé bien en dans microprocesseur. Nous gagnons horloge là. C'est le même qui cadence ses temps exécution il apprend. C'est-à-dire, il gère dans combien de temps instruction à rentrer, il traite et pour le tourner le bagbaou. Fabrication microprocesseur. Pour nous comprendre fabrication microprocesseur, nous venons obligés par les deux éléments qui constituent l'élément qui fabrique lui-même. Je considère le microprocesseur comme un semi-conducteur. Il y a une partie qui isole la donne, c'est-à-dire qu'il joue un rôle isolant, et il quitte une partie dans le courant passé tout. Mais l'élément qui constitue là, c'est silicone. On va aller dans la conception. Le microprocesseur, il suit le même procédé avec n'importe quel circuit intégré ou bien ça n'est pas le plus électronique. C'est le même procédé, c'est le même processus. Maintenant, pour nous capables de bien comprendre, nous sommes obligés d'évoquer une loi qui est importante, qui est la loi de Moore. La loi de Moore voulait faire comprendre que chaque 2 ans, ou bien chaque 18 mois, l'élément qui constitue le processeur, qui est le transistor, a doublé et a vu une petit. Donc c'est ça qui arrive au processeur à tout. Puisque il suit même procédé avec n'importe quel circuit intégré, transistor qui sont liés au double chaque 18 mois, ils viennent plus petits, ils viennent plus rapides et ils traitent les données plus bien. Donc, Jean que nous te concluons, nous dit que les suivants procédés qui sont complexes, qui sont le même processus avec n'importe quel circuit intégré, ils ont une loi qui est primordiale là-dedans, qui est la loi de Moore, parce que c'est la loi ça qui régit dans la question transistor. Qui permettent que nous gagnions fabrication processeur avec microprocesseur. Donc, je ne veux pas dire nous capable dire que loi ça a fait route li, puisque nous venons gagner des processeurs qui toujours, en fait, Jean que tu as dit, depuis un processeur sorti ou bien depuis un appareil électronique sorti, automatiquement il expire. Ça fait ça parce que téléphone qui nous met, on regarde des vidéos, on regarde des appareils électroniques qui nous met, on regarde des vidéos, il est en main déjà. Et on a cherché un autre appareil qui a 23 fois plus rapide, plus efficace, qui a traité de nous plus bien que ça qui nous met. Et pour être capable de penser comme ça, c'est la loi de Moore qui énonce que tout transistor qui est sous un appareil électronique ou bien qui est sous une puce dans un appareil électronique a doublé chaque 18 mois. Ou bien chaque 2 ans, il y a fait une petite pitié, mais pourquoi on est capable de faire une petite performance. Nous revenons à la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Nous sommes parlé sur le microprocesseur. Nous avons vu le fonctionnement avec la fabrication. Nous voyons que le microprocesseur est l'élément qui est plus important dans n'importe appareil électronique. Nous considérons le comme étant cerveau ou le chef d'orchestre appareil. Dans le sujet avec le fonctionnement, avec l'effet transistor, il maximise la performance appareil qui est en main. Dans la fabrication, on voit que c'est le même procédé, le même processus avec n'importe quel circuit intégré qui gagne parce que vous tenez compte de la loi de Moore en dedans. Je vous dis merci d'être suivi l'émission Tikozi Scientifique. Je vous dis pas oublier d'abonner avec la chaîne et à la prochaine pour une autre émission.
Nuclear Alliance.